Bonjour et bienvenue dans Turbo pour l'essai de ce nouveau Suzuki Jimny. Ça aurait pu être presque ça, mais pas tout à fait. Bonjour, bonjour à tous, vous êtes sur Super Hero et compagnie. Vous le voyez, aujourd'hui nous allons causer véhicule radiocommandé car ça fait maintenant un petit moment que je ne vous en ai pas présenté. Le dernier en date, c'était lui. Il était franchement trop classe. Rappelez-vous, c'était ce véhicule militaire à 6 roues motrices radiocommandées que je vous ai présenté il y a quelques semaines. Il allait franchement partout. Le franchissement, c'était vraiment son truc. Et je l'ai énormément adoré. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, allez-y, jetez-vous dessus. Elle est vraiment super sympa. Alors aujourd'hui, eh bien, nous allons faire l'un de ces trois véhicules car vous le voyez, c'est encore trois voitures radiocommandées que j'ai à vous présenter et que je possède depuis une éternité. Ça doit au moins faire facile 3 ans que je les ai dans les boîtes, rendez-vous compte. Et encore, j'ai un grand modèle à l'échelle 1/8 je crois, ou 1/6, non 1/8, qui m'attend sagement depuis maintenant plus de 4 ans et qu'il faudrait que je me motive à vous présenter. J'aime beaucoup ça, les véhicules radiocommandés. L'un de mes préférés, c'est celui-ci. Là aussi, je vous l'ai présenté maintenant il y a un sacré moment de ça. D'ailleurs, faut que je le répare parce que l'amortisseur derrière est fichu. Il est tout petit, vous le voyez, c'est le JJRC. Il tient dans la main ce véhicule, ce buggy. Très très belle construction et hyper nerveux. Il fonçait vraiment à plus de 30 km/h, et pour son échelle, pour sa taille, c'était vraiment quelque chose de ouf. Là aussi, allez jeter un coup d'œil sur ma chaîne, faites une recherche, et ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment un super véhicule. Mais aujourd'hui, voilà, c'est l'un de ces trois-là qu'on va faire. On a encore un buggy ici, qui est de la même taille que lui, et qui fonctionne à peu près à la même vitesse, donc j'imagine qu'il va être nerveux. Quelque chose d'un peu plus grand ici. Ici, nous sommes à l'échelle 1/28, ici, nous sommes à l'échelle 1/16, donc un peu plus grand. Elle risque d'être vraiment hyper nerveuse, celle-ci. Vous allez voir, ça va être top. Et ce que vous voyez là n'est pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est pas un buggy, mais c'est un véhicule de route avec lequel on pourra sans doute faire du drift, mais ça sera pour une autre fois, pour une prochaine vidéo. Aujourd'hui, j'ai bien envie de tester celui-ci qui est juste là, les amis. Regardez, c'est un 4x4 et ce logo, vous le connaissez peut-être, c'est Xiaomi ou Xiaomi, ça dépend comment vous prononcez, qui fait ça. Oui, ils ne font pas que des téléphones portables. Vous avez là également, eh bien, un véhicule à l'échelle 1/16, donc c'est relativement petit. C'est donc, vous le voyez, un véhicule sous licence officielle Suzuki et c'est un 4x4 Suzuki Jimny. Donc j'ai hâte de voir comment tout ça fonctionne. Alors vous le voyez, hein, c'est écrit entièrement en chinois, donc on a que très très peu d'infos. On voit par exemple que c'est un véhicule 4 roues motrices, normal, que ça fonctionne en Bluetooth, et ça je vais vous expliquer pourquoi et comment. Et quoi d'autre, si vous lisez le chinois, vous allez peut-être être plus fort que moi. Nous avons une batterie ici de 500 mAh de 3,7 volts. Voilà, c'est écrit en chinois car j'ai déniché ça sur un site. Il y a de ça maintenant un moment, je pourrais plus vous dire lequel, ça doit être Banggood. Banggood.com qui vendait ça à pas cher et j'ai trouvé le véhicule assez sympatoche. Donc on y va, on va le déballer, on va voir ce qu'il vaut et eh bien on va l'essayer dehors forcément. On y va, déballage, let's go, c'est parti. Attention, à quoi ça va ressembler. Donc là on a une notice qui est entièrement eh bien, en chinois, donc elle va pas nous servir à grand chose. On va voir si on arrive à se débrouiller sans la notice. Ici, le petit câble de recharge USB pour recharger la batterie du véhicule. Et là, la voici dans son sachet. Couleur vert comme sur l'emballage. Le nombre d'années qu'elle a passé dans son sachet, la pauvre. Regardez ça! Eh bien, c'est plutôt cool. Elle est assez sympathique, cette voiture. Et ah ouais, il y a vraiment des amortisseurs et des amortisseurs qui sont super souples. Hein. Regardez ça. Elle rebondit dans tous les sens. Et ça, à mon avis, ça va promettre pas mal de franchissement. Bon, on va jeter un petit coup d'œil à cette Suzuki Jimny qui déjà me plaît énormément. Bon, déjà, l'ensemble est quand même assez plastique, mais de plutôt bonne facture. On voit que le véhicule est réaliste et assez semblable à la vraie voiture. Je me demande si les phares vont s'allumer. Tiens, on va vérifier ça tout à l'heure. Donc, tout est en plastique, n'est-ce pas? On va regarder
le châssis. Vous voyez que le châssis est également en plastique et on voit bien ici les deux bras oscillants hein, du véhicule sur les essieux. Et bien là, les deux arbres de transmission. Donc ça sera réellement un véritable 4x4. Là, il y a un truc assez bizarre. Regardez, on dirait presque un pot d'échappement. Je me suis demandé au départ ce que ça pouvait bien être, ce truc. Et en fait, c'est tout simplement le port de rechargement du véhicule. Voilà, vous avez la prise ici, vous la mettez dedans comme ça. Vous branchez ça sur une prise USB. Et c'est parti pour recharger la batterie de ce truc. Alors, c'est quoi ça? Il y a des petits stickers. On va les retirer. Voilà, c'est tout simplement pour protéger les vitres de la voiture. Mais je me demande si on peut l'ouvrir ce truc pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que l'ensemble est quand même assez léger. Et on voit finalement qu'il n'y a pas grand chose dedans. Hein. Il n'y a vraiment pas grand chose. Le moteur, ça doit juste être cette partie-là. C'est quand même plein de vide et j'aurais bien aimé l'ouvrir, mais a priori, il faut ouvrir et défaire toutes les vis pour enlever la carrosserie du châssis. Donc ça, je vais pas forcément le faire. Ah, il n'y a pas à dire, elle est vraiment classe. Et sous certains angles, on dirait même que c'est une vraie. Moi, ce que j'adore vraiment, c'est les suspensions rebondissantes de ce truc. J'ai vraiment hâte de pouvoir sortir l'essayer en conditions réelles. Alors concernant le prix de la bête, je dois vous avouer que je m'en souviens plus, ça fait maintenant trop longtemps, mais je vais faire des recherches et si entre temps je trouve l'info, je vous mettrai ça bien entendu directement sous la vidéo dans la description. En tout cas, il faut savoir que manifestement, ce véhicule a quand même un très gros engouement sur ces sites-là, car de nombreuses pièces détachées existent pour personnaliser la voiture. J'ai vu par exemple qu'on pouvait mettre des suspensions beaucoup plus performantes, peut-être plus fermes, des marchepieds en métal, des galeries de toit, tout ça pour faire et pour rendre sa Suzuki Jimny absolument unique. Alors maintenant, nous allons l'essayer. Vous dites sûrement, ok, c'est un véhicule radiocommandé, ok, mais elle est où la télécommande? Alors justement, la particularité de cette Suzuki Jimny, c'est qu'elle n'a pas de télécommande et qu'elle va se contrôler avec un smartphone. Il y a une application qui gère ça, puisque, je vous l'ai dit au début de vidéo, c'est un véhicule Bluetooth. Tout ce qu'il y a à faire et tout ce que nous avons sur ce véhicule, c'est ici le bouton de mise en route qu'on presse. Il s'allume en bleu, je pense que ça, c'est pour le côté appairage. Et donc, pour faire fonctionner la bête, il faut aller sur le smartphone. Il y a une application qui s'appelle Mi Car, Mi Smart RC Car. On y va, j'espère que ça va fonctionner. Utiliser Bluetooth, ok. Est-ce qu'elle est toujours allumée? Oui. Bon, alors ça a l'air plutôt chouette, car il y a pas mal de fonctions sympathiques avec cette commande. Soit on peut tout simplement, vous le voyez, diriger le véhicule comme ceci, à la classique. On a même un réglage de trim pour qu'elle roule droit. Ou alors, on a le détecteur de gyroscope. L'inclinaison va se gérer avec, vous le voyez, le téléphone. On incline le téléphone et la voiture tourne également. Donc ça, c'est plutôt classe. Quoi d'autre? Nous avons une espèce de frein auxiliaire. Si je le désactive, la voiture continuera à rouler toute seule si j'enlève les gaz. Et si je l'active, on a un frein supplémentaire, un frein moteur qui va directement stopper le véhicule. Ici, on a une fonction limitation de vitesse. Activée, elle va rouler lentement. Désactivée, elle va foncer à la vitesse maximum. Ici, on a les feux, mais manifestement, ça ne marche pas. Je crois que mon modèle n'a pas les lumières de câblé, car quand je regarde derrière, on ne voit aucun fil qui part de nos phares. Donc je pense qu'il y a plusieurs versions qui existent, ou alors possibilité de customiser et de rajouter les lumières à son véhicule. Et maintenant, les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, quoi d'autre? On peut donc régler le trim, ça c'est la fonction qui va servir à faire en sorte que le véhicule roule droit et ne penche pas d'un côté ou de l'autre, ne braque pas d'un côté ou de l'autre. Ce qui est cool, on peut également régler le rayon de braquage avec ce petit potard ici. Si je le mets au minimum, vous le voyez, la voiture va vraiment quasiment pas braquer. Ça c'est peut-être bien pour faire du franchissement, et si je le mets au maximum, là on a le rayon de braquage au max. Quant au gaz, on va voir ce que ça donne. Ma foi, ça marche super bien. Nous voyons que c'est effectivement une 4 roues motrices. Les deux essieux, les deux arbres de transmission sont, euh,
sont effectivement en action et entraînés en même temps. Bah, vous savez quoi? On va... Waouh! Attends, limiteur de vitesse pour aller un peu moins lentement. Ça m'a l'air hyper nerveux quand même, hein, tout ça. Ouais, je sens que ça va plutôt être pas mal. En termes de vitesse, c'est assez sympathique. Ok, les amis, ce qu'on va faire, on va sortir et tester ça en conditions réelles. J'ai trop hâte. Venez avec moi, on sort. Et on va commencer par des petits tests basiques pour aller de plus en plus dur. Alors, c'est parti, premier démarrage. Et ce Suzuki Jimmy, eh bien, ma foi, il est nerveux. La vitesse de pointe n'est pas élevée, mais c'est pas ça qui compte ici. Là, ce que nous allons surtout tester, c'est sa capacité 4x4 et de franchissement. Déjà, dans l'herbe, les herbes hautes, eh bien, là, il est carrément pas à l'aise. On est déjà complètement bloqué. Mais alors, pour le reste, eh bien, vous allez voir que ça se passe super bien. Terrain accidenté, pas de problème. Même sur deux roues, ça passe. En conditions difficiles, quand il y a peu d'adhérence et de la pente, eh bien des fois ça passe, des fois ça casse. Là, ça passe. Mais dans le franchissement, tout ne se passe pas forcément toujours bien. Et la plupart du temps, eh bien, le moindre faux pas, et c'est la chute. Mais vous le voyez, que, en général, ce Suzuki Jimny, Xiaomi, eh bien, quelles que soient les conditions, et pour peu que le revêtement soit un peu grossier, eh bien, ça passe sur du bois, sur de la rocaille, c'est comme dans du beurre. Et là où je me suis éclaté le plus, eh bien, forcément, c'est en extérieur. Là, on a vraiment l'impression d'être face à un véritable véhicule tout-terrain. Les amortisseurs et les quatre roues motrices font merveille dans cet environnement et on s'éclate vraiment. Regardez dans les ornières et dans la boue. C'est absolument génial. Comme je l'ai déjà évoqué, le moteur n'est pas puissant, mais c'est pas forcément ce qu'on lui demande. Là, ce n'est pas vraiment d'aller super vite, c'est de s'amuser pour faire des petites épreuves de franchissement. Le sable, eh ben, il n'est pas forcément à l'aise dedans. Plus c'est fin, plus il aura du mal à gravir des pentes élevées. Mais alors, lorsque c'est des grosses caillasses comme ici, regardez. C'est juste du bonheur de trouver la bonne route pour faire passer son Suzuki Jimny. Alors vous l'avez vu les amis, cette voiture radiocommandée, la Suzuki Jimny de chez Xiaomi, est vraiment exceptionnelle, on s'amuse énormément avec. Elle a de très très bonnes capacités de franchissement relativement limitées, vous l'avez vu dans l'herbe, mais voilà, dans des crevasses comme ça, dans la boue ou dans la rocaille, on s'amuse vraiment. Et vraiment super bien avec. Là, vous voyez le plan, on dirait pratiquement une vraie. C'est vraiment un très très beau modèle et avec lequel je me suis vraiment éclaté. J'espère les amis que ça vous a tout autant plu qu'à moi. Si vous la trouvez, eh bien jetez-vous dessus. Elle est un petit peu chère, je dois vous avouer. Elle doit coûter dans les 60 €, mais elle vaut le coup car elle a des capacités de personnalisation qui sont vraiment intéressantes. Allez jeter un petit coup d'œil sur AliExpress. Je crois que je l'ai vu là-bas. Voilà, c'était la Suzuki Jimny et un modèle radio commandé, il y en aura bientôt d'autres sur Super Héros et compagnie. J'espère que ça vous a plu les amis. En attendant, on n'oublie pas les petits pouces bleus, les abonnements et les commentaires juste là en dessous. Merci à tous et à très très bientôt pour la suite sur Super Héros et compagnie bien sûr. Bye bye, ciao.